Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo pour savoir comment redémarrer son ordinateur qui est en veille. Cette vidéo sera divisée en trois parties. Nous verrons d'abord comment réallumer un ordinateur portable. Ensuite, après, nous verrons comment ça se passe pour un ordinateur de bureau, donc un ordinateur équipé d'une unité centrale, donc la grosse boîte. Et nous finirons cette vidéo avec quelques astuces si nous éprouvons quelques difficultés à allumer notre ordinateur. Déjà, dans un premier temps, on doit expliquer qu'est-ce que c'est qu'une mise en veille. C'est simple. Votre ordinateur, c'est une mémoire, c'est-à-dire quelque chose de tout petit à l'intérieur de votre ordinateur qui génère toutes ces informations qui se transforment en images, en sons, en écriture, etc. Donc, lorsque vous voyez quelque chose, vous le voyez parce que vous utilisez des outils externes qui permettent de visualiser ce que fait votre ordinateur. Donc ça peut être un écran, ça peut être des sorties audio ou même une imprimante, mais finalement votre ordinateur, c'est des microprocesseurs et ces choses-là sont pas visibles. Donc lorsque votre ordinateur se met en veille, on désactive tout ce qui concerne l'écran, on désactive tout ce qui concerne le son et tout ce que vous avez fait comme travail est prisonnier à l'intérieur de la mémoire. Donc, ce mode veille n'est ni plus ni moins qu'une certaine façon de faire des économies d'énergie, tout simplement. Nous allons voir maintenant comment sortir de la mise en veille. Et je parle là pour l'ordinateur portable. Déjà, dans un premier temps, il y a deux petites choses que vous pouvez faire. La première, c'est d'utiliser votre souris et de cliquer n'importe où où vous voulez, qui pourrait être dans votre écran. Donc, si vous voyez que ça n'aboutit pas, il va falloir commencer à attaquer avec le clavier. C'est-à-dire qu'il faut que vous appuyiez sur plusieurs touches jusqu'à que vous puissiez voir la sortie de la mise en veille. Si cela n'est pas le cas, à ce moment-là, vous n'avez plus qu'une seule option pour pouvoir sortir de la mise en veille. Il vous suffit simplement d'appuyer juste pendant une demi-seconde sur le bouton qui vous permet d'allumer ou d'éteindre votre ordinateur. Si je me permets de pas vous mettre l'image, la vidéo qui vous montre comment éteindre l'ordinateur, c'est simplement parce qu'il existe une infinité de ordinateurs portables, des anciens modèles, des nouveaux modèles et chacun d'une marque différente. Simplement, vous, quand vous avez acheté votre ordinateur, on vous a bien expliqué comment allumer et éteindre l'ordinateur. Donc, à vous de repérer l'endroit et comme dit précédemment, appuyez pendant une demi-seconde. Maintenant, nous allons voir comment faire avec un ordinateur de bureau, c'est-à-dire un ordinateur équipé d'une unité centrale. L'unité centrale, c'est la partie qui se trouve à droite de cette image. Donc dans un premier temps, nous devons utiliser la souris comme on avait fait pour l'ordinateur portable. On double-clique à plusieurs reprises et si on voit que ça n'aboutit pas, on commence à cliquer sur plusieurs touches pour voir si ça l'allume. Et si on voit que ça n'allume pas non plus, malheureusement, nous n'avons pas le choix. Nous devons aller vers la boîte donc, qui s'appelle l'unité centrale et appuyer pendant une seconde pour voir si ça allume l'ordinateur. Et si malgré tout ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant, ça n'a pas réussi, alors là, nous devons entrer dans la dernière partie de cette vidéo, c'est-à-dire voir qu'est-ce que nous pouvons encore faire pour pouvoir allumer notre ordinateur malgré tout. La première chose que vous pouvez faire, et c'est tout aussi bien valable pour l'ordinateur que pour l'unité centrale, il suffit simplement d'appuyer pendant 5 à 6 secondes sur le bouton marche arrêt de votre ordinateur. Ça va l'éteindre complètement et pour le rallumer, il suffit simplement d'appuyer pendant une seconde à nouveau sur ce bouton marche arrêt et votre ordinateur va s'allumer. Malheureusement, il y a un problème puisque précédemment, avant que cet ordinateur se mette en veille, vous avez travaillé dessus. Vous avez mis des documents que vous n'avez peut-être pas enregistrés. Il se peut que vous perdiez le fruit de votre travail. Malheureusement, c'est le prix à payer. Donc, je vous invite vraiment fortement à, lorsque vous travaillez sur votre ordinateur, de faire des enregistrements réguliers de telle façon que si vous vous retrouvez dans une situation où vous perdez absolument tout ce qu'il y avait sur votre écran, au moins, vos sauvegardes vous permettront de continuer votre travail comme précédemment. Et si malgré tout, votre ordinateur ne se rallume pas,
Vous vous retrouvez devant un écran noir. Vous avez respecté tous les protocoles que j'ai décrits précédemment. Alors là, il se peut que vous ayez besoin d'un technicien. Il existe une ou deux méthodes qui permettent éventuellement de réussir à le rallumer, mais allez-y avec précaution parce que chaque ordinateur est différent, chaque société a sa façon de programmer ses ordinateurs, donc c'est sous réserve, bien évidemment. La première méthode est si vous avez un ancien ordinateur portable. Ça signifie que la batterie qui accompagne l'ordinateur portable n'est pas intégrée à l'intérieur et peut s'enlever avec facilité. Donc, ce que vous devez faire, c'est vous retirer la batterie et vous appuyez, lorsque la batterie est bien sortie, pendant 10 secondes sur le bouton marche-arrêt. Et ensuite, vous remettez la batterie et vous allumez l'ordinateur à nouveau. Pourquoi il vous est demandé d'appuyer pendant environ 10 secondes lorsque la batterie est sortie? C'est simplement parce que dans votre ordinateur, il reste encore de l'électricité résiduelle. Et en appuyant pendant ces 10 secondes sans la batterie, vous vous retrouvez avec un ordinateur sans électricité. Et le fait de remettre la batterie permettra de redémarrer à zéro, ce qui peut être une opportunité de le rallumer. Et si malgré cela, ça ne marche pas, la dernière proposition que je vous ferai dans cette vidéo et de débrancher tout ce qu'on appelle les connectiques. Les connectiques, ça peut être la souris, ça peut être le clavier, ça peut être des enceintes, ça peut être une imprimante. Et ce que vous devez faire, donc, en ayant débranché tous ces connectiques, c'est de réessayer d'allumer les ordinateurs en reprenant les procédures que j'ai expliquées précédemment. Si ça marche, tant mieux, tout va bien. Si ça ne marche pas, il faudra vraiment faire appel à un technicien, c'est-à-dire un véritable professionnel qui, lui, sera vraiment sûr de savoir ce qu'il fait. Si vous avez la moindre hésitation par rapport aux dernières méthodes que j'ai données pour pouvoir allumer votre ordinateur, n'essayez pas. Vous n'avez pas les formations ni l'expérience pour pouvoir le faire de façon sûre. Voilà, cette vidéo est finie. Merci de vous abonner et à bientôt.